n'a jamais vu un proton perdre de l'énergie. Mm. On a un changement d'état de l'information, de la structure de l'information dans une région d'espace. Ah, regarde, un rêve, simplement un rêve. Mm-hmm. Tu es dans un monde onirique, et puis tu bouges le petit doigt, tu commences à peine à revenir dans ton corps, et ça y est, la moitié du rêve a disparu. Mm. Tu peux même plus y accéder. Et je pense que cette réalité spirituelle, c'est des rêves puissance 10 000. Donc on n'a pas le cerveau qui nous permet de prendre la mesure de ce à quoi on a accès après la mort. Et dans sa plastique, dans du sopalin, il y avait deux objets. Le médaillon rouge avec le ruban rouge et l'éperon. C'est-à-dire que son frère était joueur de polo. Mm-hmm. Et il a fait une crise cardiaque à la suite de ce match. Et les deux seuls objets qui pour lui étaient importants et qui étaient importants pour sa sœur, c'était les deux objets qu'elle avait gardés, l'éperon et le médaillon. Il y a un précurseur qui s'appelait Benjamin Libé, il est mort il y a 2-3 ans, qui avait démontré par des expériences que nous recevions des informations en moyenne 0,5 à 0,7 secondes avant d'en avoir conscience. Quelle est la réalité et où elle se situe de ce monde de vision? C'est toute la question. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai accédé à des visions collectives. À partir de ce moment-là, je me suis dit, là, on est sur quelque chose de complètement différent d'une hallucination. Dans l'Opus Dei, vous n'avez pas de liberté de conscience. Aucune. Vous devez rendre compte chaque semaine à un directeur de conscience de ce que vous avez fait, pas fait, pensé, pas bien pensé. Et ce directeur de conscience vous dit ce que vous pouviez ou pas penser, ce que vous pouvez ou pas faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une dictature un petit peu quand même. C'est clairement ça. Le Sphinx, c'est une statue gigantesque qui fait 70 mètres de long. Mm-hmm. On n'a jamais eu une autorisation de donner un coup de pioche en dessous. Et pourtant, Dieu sait si le nombre de gens... Et depuis Maspero, allait dire, et si on creusait en dessous? Ah non. On a complètement séquencé le matériel génétique d'Homo sapiens, de Néandertal, mais maintenant, avec la génétique, on va remonter très très loin, et on va se rendre compte que la vie sur Terre, elle n'a pas 70 000 ans, mais qu'elle a pas loin, très certainement, de 2 à voire 3 millions d'années. Elle va remonter vraiment très très loin. Et quand un ovni se casse la figure, il n'y a pas d'explosion. Prenez un B-52 qui se plante, ça fait une belle flamme. Là, il n'y a rien, quoi. Bon, ce sont des engins qui franchissent les années-lumière. Ils n'ont pas de carburant, ils n'ont même pas de propulseur. La conscience étant fort probablement faite d'informations quantiques, hein, et les informations quantiques se trouvent en dehors de l'espace et du temps, donc elles ne devraient pas subir le passage du temps. Hein, donc la mort serait une illusion. Et au moment où l'actrice principale est dans les couloirs de ce château qu'elle devient folle, on entend dans le film... Ce château me veut, ce château m'appelle, et je reçois le SMS qui dit ce château vous veut, ce château vous appelle de ce numéro-là. C'est comme s'il y avait deux trottoirs, il y a le trottoir des vivants et le trottoir des morts, il y a au milieu les médiums, et il y a un vivant, il va dire tu. Me connecter à quelqu'un d'autre de l'autre trottoir. L'autre il fait est-ce que le quelqu'un d'autre est là? L'autre fait ouais c'est moi, mais personne n'a vérifié qui était qui. Bien sûr, toutes ces questions là qui sont des questions seuil, on peut se les poser dans un espace de liberté et dans un espace où tout devient possible. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Alors ça part en sucette, hein, Facebook, YouTube, c'est les lives, c'est le direct. En tous les cas, on est très heureux de vous retrouver. C'est aujourd'hui mercredi, nous sommes le 11 juillet. Et hier soir, nous avons vécu une très très belle soirée, on peut le dire. Je voulais commencer quand même en saluant la victoire de l'équipe de France de football qui a mis Paris et la France entière dans une ambiance pas possible. J'espère que ce soir, eh bien, l'ambiance sera aussi sympathique dans ce live BTLV. Un like va nous permettre, avec mes camarades de jeu, que je salue d'ailleurs, puisqu'à la régie, on a Thibaut et on a Mathis. Salut les garçons, vous êtes en forme? Bien et toi? Bon, ça va. Très très bien. On a également, pour les réseaux sociaux, Thibaut 2, le journaliste. Salut Thibaut. Salut mon Bob. Ça va bien? Un peu fatigué, je t'avoue que là... Ah ben oui, t'as fêté l'équipe de France. Ah ben oui, fatalement. Donc, dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va ce soir évoquer un sujet qu'on était très heureux de vous proposer, les Men in Black. Y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? C'est très important quand même d'essayer de savoir ce que sont ces Men in Black. Parce que la réalité, Thibaut, c'est de savoir est-ce qu'il existe vraiment des officines, des États qui pourraient créer... Allez, des cellules d'hommes en noir qui iraient mettre la pression à d'autres personnes qui auraient été témoins ou alors qui détiendraient
Allez, connaissances. Des connaissances, des secrets non avouables. C'est une vraie bonne question. On va se tourner sur les réseaux sociaux. Avant d'avoir vos réactions, on va saluer quand même Alexis qui est là. Il y a Fleur Philippe également, il y a Laurent. Il y a d'autres, Anne-Thierry qui est là également. Il y a Au Bois de mon cœur, il y a Les Fidèles. Hein. Il y a Alice également qui est là. Il y a Nicole, il y a Ludie. Vin, il y a Jean-Yves, il y a Agregas Girganti ou Girganti, voilà, beaucoup de monde déjà sur les réseaux sociaux, ça c'est Facebook. Hein. Exactement, et Au Bois de mon cœur, lui, il nous écoute en faisant des pizzas. Ah, mais c'est vrai. Oh, la pizza de mon amour, mamma mia, ma che cosa fa, una pizza nervina, magnifique. Moi, je prends d'une 4 saisons. Au Bois de mon cœur, bah, écoutez, moi, je prends une calzone, j'aime bien le soufflet. Bon, alors, les Men in Black, y croyez-vous et... Non, et pourquoi? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on a déjà eu... des réactions quant à la à ce sujet quand on l'a posté. Alors on me dit visiblement que le son et l'image sont décalés. Que voulez-vous, ce sont les problèmes du direct. Ça vient pas de nous, ça vient probablement. Alors il y a deux solutions, soit on arrête et on reprend le live et on essaye, voilà, ou soit on continue comme ça. Moi j'opterais quand même pour relancer le live. Je sais pas ce que vous allez rester là en tout cas et on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme tu veux. Après le décalage est que sur Facebook, on peut peut-être le résoudre. Ah, il est pas sur YouTube. Est-ce que alors passer sur YouTube peut-être si ça marche mieux, mais dans tous les cas, voilà. Donc moi sur YouTube, j'ai encore la bande-annonce et je me vois parler bien après. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On va se tourner vers les réseaux sociaux. Ouais. Alors globalement, on a beaucoup de oui quand même hein. On a peu de gens qui nous ont dit qui n'y croyait pas. Benito qui nous dit si les extraterrestres existent, alors pourquoi pas les Men in Black. Lex David qui nous dit oui, ils existent. Alors on a Paul Jean Wolf, il nous dit il m'arrive de voir ces personnages quand je vois à distance, quand je fais mon Reiki ou que je médite. Ah bon? Ouais. Alors, il voit des Men in Black. Il voit des Men in Black, ouais. D'accord. Quand il voit à distance. Alors, je sais pas où c'est qu'il va regarder, mais dis-nous, hein, Paul. Paul Jean Wolf. Dans tous les cas, ce soir, on va avoir des invités. On va avoir Gérard Deforge dans quelques instants, qui est un ufologue très connu, qu'on a réussi à retrouver 20 ans après avoir enquêté sur le cas d'Aravilliers, qui sera un documentaire qu'on vous postera le 19 septembre prochain sur btlv.fr et qui sera réservé aux abonnés. Vous rappelez que Aravilliers, c'est une histoire qui nous ramène le 10 janvier 1998, aux alentours de 7h du matin. Un groupe de chasseurs est confronté à un phénomène inhabituel. Ils vont voir, à des endroits différents, un vaisseau énormissime. Il est question d'abduction, de missing time, donc on aura l'occasion d'y revenir avec Gérard. Mais ce soir, Gérard nous parlera d'un des cas assez rares hein, des Men in Black en France. C'est toi qui a, Thibaut, soulevé la question de ce cas. Ouais. C'était en Touraine et c'est l'un des cas. Il n'y a pas beaucoup de cas de Men in Black en France. Hein. Non, pas beaucoup. C'est un des seuls. En tout cas, c'est le plus connu. C'est dans la deuxième partie des années 90. Ouais. Et c'est un grand-père avec ses trois enfants qui ont été visités plusieurs fois apparemment. Mmh. C'est super intéressant comme cas. Alors, on aura Gérard qui nous racontera ça plus en détail dans quelques instants. On aura également Patrice Pouillard qui passera nous faire un petit coucou pour évoquer les bâtisseurs de l'ancien monde. Alors, on a souvent l'habitude d'associer les Men in Black à l'ufologie, aux ovnis, aux extraterrestres. Mais il n'y a pas que là qu'il y a des Men in Black. Il y a bon nombre de lanceurs d'alerte qui disent parfois avoir reçu des menaces. Et la vraie question est de savoir, est-ce que Philippe Pascaud a reçu, avec les bouquins qu'il a fait, Délit d'élu, allez presque tous vous faire, pilleurs d'État, est-ce qu'il a reçu? Et j'ai eu Philippe et il voulait témoigner ce soir. Philippe Pascaud, on l'aura avant 20h30, ce sera l'occasion pour nous d'avoir le côté peut-être politique ou industriel de ces Men in Black, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des Men in Black dans l'ufologie. Mais dans tous les cas, on y reviendra. Et puis, on aura peut-être également Egon Kragel, qui est avec Gilbert Attard, je sais, dans le sud de la France. On a du mal à les joindre, mais j'espère qu'on les aura. Ça va être assez sympa ce soir d'évoquer les Men in Black. Gérard Deforge, dans quelques secondes. Avant cela, retour vers les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a synchronisé le tout, les garçons? C'est bon, ça fonctionne sur Facebook. Ça fonctionne sur Facebook, c'est parfait. Ben voilà, voyez, il faut toujours graisser la patte à Mark Zuckerberg. Vous voyez, parce que c'est un jeune garçon. Il démarre sa start-up. Il n'a pas beaucoup d'argent, Mark Zuckerberg. Donc, si on ne met pas un peu de brosouf dans la tirelire, ça ne marche pas. On a réussi à tout synchroniser. Allez. Il suffit toujours de faire un petit chèque et après. Toujours. Eh ben, on a Alexis qui nous dit sur les Men in Black, je trouve étonnant que jamais rien, à l'ère du numérique et de la transparence totale qu'on est en train de vivre, rien n'est jamais filtré. Mm-hmm. C'est vrai que... C'est vrai. Ouais.
Alors, ça reste un sujet un peu opaque. Alors, on va en savoir plus avec Sébastien Black. Juste avant d'accueillir Gérard Deforge, il y a Flower Philippe qui me dit « Bob, à une époque, tu nous avais dit qu'un soir, il y avait eu des types en noir devant les studios. Ouais. Pas de news depuis. » Effectivement, j'en avais parlé, c'était il y a 6 ans, lorsque j'avais lancé l'émission. On avait eu... trois, quatre fois dans l'année, la possibilité de voir en tout cas une voiture assez sombre qui passait au ralenti devant les studios d'Ado FM à l'époque. Alors qu'en était-il exactement? On n'a jamais su puisqu'on n'a pas discuté, les gens se sont pas arrêtés. Mais quoi qu'il en soit, il était facile pour nous de faire le rapport et le rapprochement. Mais peut-être que c'était aussi le fruit de notre imagination. Donc depuis ici, aucun homme en noir n'est venu nous visiter. Gérard est avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir sur l'antenne de BTLV pour ce live et ces Men in Black. Alors, je le disais tout à l'heure en début d'émission, Gérard, vous avez enquêté sur un des seuls cas connus finalement de Men in Black en France. On est dans la deuxième moitié des années 90 en Touraine, c'est ça? Oui, j'ai eu cette chance extraordinaire d'enquêter sur un cas assez compliqué. D'ailleurs, je donnerai les références parce que il est impossible ici de donner tous les détails concernant cette affaire. Mm-hmm. Mais si vous me permettez, je voudrais commencer par expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai fait connaissance de ce cas et quelque chose qui peut arriver, à n'importe qui. Allez-y. Vous savez que ce genre d'événements bizarres, ça nous tombe sur la tête sans qu'on les ait sollicités. Mm-hmm. Et puis j'ai beaucoup enquêté, vous le savez, mais jamais sur ces cas. Et quand j'ai eu connaissance de ce cas, je reconnais que je connaissais pratiquement rien sur la question. Mm-hmm. J'avais un ami qui habitait, une dizaine de kilomètres de là où je demeurais, que je voyais de temps en temps parce que son job, c'était d'un informaticien qui s'occupait de la maintenance de nombreux appareils dans un établissement hospitalier. Sa femme était collègue de mon épouse au service technique de la ville où il travaillait. Donc, de temps en temps, il nous offrait un apéro. Mais jamais, jamais, jamais on ne parlait de ces choses-là. Et puis un jour, où il nous avait invité à un apéritif, par curiosité, comme ça, je regarde sa bibliothèque et je vois tout un tas de bouquins traitant de l'ufologie. Mmh. Oh, mais je dis, mais ça, c'est incroyable, parce que on en a jamais parlé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je lui parle dans mes enquêtes, etc. Et il me regarde et il me dit, est-ce que tu connais quelque chose concernant les hommes en noir? Bah, je dis non, je connais pas, vraiment pas grand-chose sur cette question-là. Eh ben, il dit, si ça t'intéresse, voilà. Et il commence à m'expliquer que son père, qui habite la région, qui habitait, parce que c'est quelque chose qui remonte quand même à une quinzaine d'années, hein, vers les années 2003. Son père avait un témoignage, il me dit, qui était susceptible de m'intéresser concernant les hommes en noir. Ben, je dis, ben, bien sûr, on y va quand tu veux. Ouais. J'y suis allé. Et à mon habitude, c'est un peu une maladie. Je suis comme un chien qui est sur un os. Hein, quand ça commence à mordre, je vais jusqu'au bout. Et j'ai donc commencé gentiment à faire connaissance avec ce monsieur. Mmh. Et essayer d'en savoir plus. Et j'ai appris effectivement un certain nombre de choses qui m'ont tout à fait stupéfaite. D'abord, la variété des phénomènes qui se sont produits et qui concernaient, disons, au moins 3, 4, 5 personnes. Mm-hmm. Les petits-enfants, 3, et puis lui, et puis aussi son épouse, avec laquelle il était en train de se séparer d'ailleurs, mais qui plus tard, lorsque je l'aurai au téléphone, confirmera quand même les déclarations de son époux. Et puis, donc dans les témoignages que je vais recueillir, qui forment comme une mosaïque d'événements tout à fait étonnants, il faut reconnaître qu'il y a des contradictions. Il y a des choses, par exemple, les enfants vont me dire qu'ils ont vu deux grands gaillards avec des chapeaux. Le père va me dire qu'il a vu ces deux grands gaillards sans chapeau et qui était chauve. Peut-être qu'ils avaient enlevé leur chapeau à un certain moment, c'est possible. Hein. Mais disons que dans la
cacophonie de ces témoignages, j'ai reconnu, après m'être instruit, tous les ingrédients propres à ce genre de manifestation. Quand on les met un peu en les juxtaposant, on voit que c'est tout à fait caractéristique de ce genre de description, de témoignage. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre de renvoyer vos auditeurs à l'excellent livre de mon ami et Joël Ménard, le pape de l'ufologie française, qui a écrit un bouquin sur les Men in Black, qui contient énormément de témoignages, de documents, dont celui dont j'ai l'honneur d'avoir eu connaissance et que j'ai pu écrire. Mais disons, il y a une foultitude de témoignages là-dedans qui sont invraisemblables. En ce qui concerne ce témoignage en particulier que vous me proposez de raconter en quelques mots, mais c'est pas possible, je renvoie aussi les auditeurs à la page 128 à 136 de mon livre numérique de 325 pages qui contient mes enquêtes et qui s'appelle Investigation, et puis le LDLN numéro 370 qui aussi est un reportage complet de cette histoire. Alors LDLN, c'est le bien dans la nuit. Je veux plutôt répondre aux questions qui me seront posées parce que je ne sais pas trop par quel bout commencer. Alors je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe finalement, la première visite de ces hommes en noir. Le grand-père vous raconte, je me suis trouvé face à deux hommes habillés tout en noir avec un costume impeccable. Dans quelles circonstances il les rencontre et pour quelles raisons et qu'est-ce qu'il va retenir de cette expérience, Gérard ? Alors, d'abord, je vais être complètement sidéré quand il va le dire, quand il va me dire textuellement, ils ont l'habitude de venir quand il fait beau. Ah bon ? D'accord. C'est évidemment en interrogeant davantage, je vais apprendre que ce manège, en quelque sorte, ce cycle annuel dure depuis 5 ou 6 ans, donc apparemment a commencé dans les années 1998, par là, puisque le témoignage date de 2003. Mmh. Ça faisait une douzaine d'années qu'ils habitaient cette maison, mais disons que c'est la moitié du temps où ils ont eu connaissance de ces individus. Alors ces individus se présentaient, je ne sais pas depuis ce qui s'est passé, se présentaient toujours de la même manière, c'est-à-dire, là cette fois-ci ça a été très particulier, d'où le témoignage. La même manière, c'était une grosse berline noire qui s'arrêtait devant la maison et qui observait de manière intense l'habitation. Il faut dire que l'habitation, je peux pas nommer où c'est parce que la famille en question, il y a 3 ou 4 maisons, hein, c'est tout. Hein. Donc si je donne un nom, tout de suite ça va être reconnaissable. Ils ne voulaient absolument pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était à la latitude de Tours et environ 6 à 7 minutes de vol de la base militaire. D'accord. Pour être un peu plus clair. Donc, il ne s'arrêtait jamais, c'est-à-dire qu'il ne descendait jamais de véhicule. Mais ce jour-là, il y a 2 individus sur les 3, parce qu'il envoie un troisième qui est resté dans la voiture, qui est une grosse américaine noire à conduite à gauche, va-t-il me préciser. 2 individus d'environ 2 mètres de hauteur, qui vont apostropher les enfants. Alors selon les enfants, ils vont l'appeler. Les enfants vont être appelés par leur nom, y compris le chien. D'accord. Alors que le père ne se souvient pas de cela. Vous voyez, première contradiction. Bon, je constate sans autre commentaire. Mais par contre, dans la description de ces individus, alors là, on reconnaît vraiment quelque chose qui est tout à fait typique des hommes en noir, c'est-à-dire la démarche hachée. Le teint blafard, le rouge à lèvres, la voix qui semble venir de la poitrine et non pas de la gorge, une voix un peu robotique et grave et monocorde, et des questions hachées. Alors les questions, c'était quand même bizarre, parce que ils vont demander, après avoir appelé les enfants qui vont appeler et terroriser leur grand-père, le grand-père va ouvrir le portail, et va s'adresser donc à eux en demandant qu'est-ce qu'ils veulent. Et eux ne répondent pas à cette question. Ils vont simplement, ces deux hommes, vont leur demander
s'il n'y a pas de problème particulier dans la région, s'il n'y a pas d'épidémie. Alors c'est très curieux ça, parce que cette question, parce que c'était autant le plus fort de l'épisode de la fameuse vache folle, vous d'accord. savez. D'accord, oui, je me souviens. Donc on a fait, nous, une relation entre ce questionnement et cette maladie. Et le grand-père va dire, non, ici, tout va bien. Mm-hmm. Et puis les autres, voulant continuer dans leur questionnement, et le grand-père prenant un petit peu peur quand même. Alors, il y a un des hommes qui va vouloir serrer la main d'un enfant. Et là, le chien va arriver et va empêcher le serrage de main. Et le plus tard, quand je rencontrerai les enfants, ils vont me dire... l'aîné va me dire, j'ai compris pourquoi le chien est intervenu. Ben, je dirai, ah bon? Pourquoi le chien est-il intervenu? Eh ben, c'est parce que, en me serrant la main, je crois qu'il voulait que j'oublie, que mes souvenirs ne retiennent pas cet épisode. Ah ouais? Et il dit, je sais pas, je pense à ça. Et il dit, et heureusement que j'ai pas oublié parce que l'année dernière, etc., etc., et il commence à me raconter quelque chose qui lui est arrivé l'an passé. Donc pour moi, le grand-père va me raconter qu'il a constaté que sa maison avait subi des choses bizarres. Alors déjà, la maison elle-même est assise sur une lame d'argile, et il pense qu'à un moment donné, donc il y a eu un renforcement avec du béton. Mmh. Mais néanmoins, ce béton a été posé sur cette lame d'argile qui est très épaisse. Il pense qu'il y a eu une espèce d'affaissement de terrain à un moment donné d'environ 30 cm et que la maison a repris sa position quelques temps après. Et ben, moi, là, évidemment, j'ai fait des vérifications avec les instruments pour vérifier donc si les murs étaient bien perpendiculaires, tout ça. Ouais, donc, ouais. Il n'y avait pas de choses bizarres là-dedans. Mmh, mmh, mmh. Et puis, il va y avoir aussi des visions d'OVNI. Et le père, il va lui arriver des choses assez étonnantes. Il va avoir des épisodes de très, très, très grande chaleur que son épouse ne ressentira pas. Et il me montrera des lattes de son lit qui sont noircies par la température, semble-t-il. Et donc, il subira ces épisodes de chaleur sans comprendre, et sans que la pièce... Si, la pièce va se réchauffer aussi, mais pas à ce point-là. Gérard, je voulais vous poser quelques questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. Je voulais juste savoir, combien de temps ça a duré, ces épisodes, 5-6 ans? Et surtout, est-ce qu'ils ont compris pourquoi eux? Alors, évidemment, dans ce genre de choses, les gens ne comprennent jamais... Pourquoi ? Par contre, ce que je peux dire, et qui est commun à énormément de personnes qui subissent des événements de ce genre, c'est que les parents, les grands-parents peuvent voir ou être impactés par ce genre de phénomène, mais il n'y a pas que les enfants. Souvent, quand on cherche d'ailleurs dans les antécédents, chez les aïeux, on s'aperçoit... Tiens, celui-là, il avait des dons bizarres. C'était des gens qui étaient des barreurs de feu, des choses comme ça. En général, je ne dis pas qu'il y a des individus qui sont impactés. Je serais plutôt pour dire qu'il y a des familles qui sont impactées. Alors, d'accord. Pour savoir pourquoi, comment, là, je suis comme vous, j'en sais rien du tout. Hein. D'accord. Mais j'ai constaté que souvent, quand on cherche bien, on voit que il n'y a pas qu'une personne. Actuellement, je suis sur un dossier, par exemple, où, là encore, on a affaire à une personne qui subit des manifestations en continu, et son petit-fils... aussi. Ouais. Ça ne m'étonne pas trop. C'est ce qu'on dit souvent hein, quand c'est des cas d'abduction, des cas de visite de Men in Black, c'est souvent très familial. C'est-à-dire qu'on est dans des lignées, on s'aperçoit que la grand-mère soit avait des pouvoirs, des facultés, soit que le grand-père avait eu lui aussi des visites où on s'aperçoit qu'il avait été le témoin d'observation d'OVNI ou de quelque chose comme ça. On a la sensation que des familles sont choisies. Ah oui, tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, on va toujours trouver des exceptions, hein, parce que c'est un domaine où il est aucune généralisation n'est possible, mais on peut affirmer que un grand nombre de personnes impactées, eh bien, ce sont des. En fait, ils sont pas seuls. Hein, sont, ouais. D'une manière ou d'une autre, il y a d'autres personnes dans leur famille qui possèdent soit des expériences, soit des dons. Qui ne sont pas ceux du commun des mortels. Gérard, je vais vous poser la dernière question, c'est quel crédit vous apportez à un tel témoignage? Est-ce que vous avez senti les gens sincères, véritablement bouleversés et compris que ce n'était pas le fruit de leur imagination? Eh ben, dans ce genre de situation, effectivement, on se pose la question et on observe bien à qui on a affaire. Et en l'occurrence, le grand-père était ça correspond à beaucoup de cas que j'ai rencontrés, des gens hyper rationnels, qui n'ont jamais entendu parler de ce genre de phénomène, et qui sont confrontés, alors ils savent qu'il y a eu des choses dans le monde, ils étaient vaguement au courant de ce qui se passait dans le triangle des Bermudes, mais qui n'est pas au courant aujourd'hui, ou de ce qui s'était passé et qui se passe encore d'ailleurs, mais disons, c'est quelqu'un hyper rationnel, franchement, et moi j'ai été impressionné justement, j'ai pas eu du tout affaire à un hurluberlu, à quelqu'un qui, au contraire, ça lui cassait les pieds, et d'autant plus que dans sa maison, quand il s'asseyait à certains endroits, il ressentait des émotions, une sorte de malaise, qu'il imputait à toutes ces manifestations et qui l'incommodait très fort. Il en avait un petit peu marre. Hein, mais sinon, j'ai rencontré quelqu'un de tout à fait lucide. Et quant au fils, qui est un ami, qui m'a fait faire connaissance de son père du temps où il s'entendait encore assez bien, je suis toujours en correspondance avec lui. Bah, c'est quelqu'un qui... C'est un ingénieur informatique qui est un fou de moto et qui ne s'occupe absolument pas de tout cela. Voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce sujet. Je voulais vous remercier, Gérard, d'avoir été ici ce soir et d'avoir ouvert ce premier témoignage sur les Men in Black. En France, c'est assez rare. Oui, Gérard. Oui, et puis donc je rappelle franchement que les gens qui s'intéressent, et ça ne sera pas du temps perdu, lisent vraiment le bouquin de Joël Ménard. C'est vraiment une mine d'informations tout à fait étonnante et qui interroge. On va essayer de trouver le visuel, peut-être, Thibaut, du bouquin de Joël Ménard. Ça s'appelle Men in Black, et comme ça, on pourra mettre le lien. Merci, Gérard, d'avoir été avec nous et pour ce cas assez incroyable. Dans tous les cas, la suite, ce sera peut-être dans un instant Egon Kragel qui sera là. Mais à propos d'Egon Kragel, alors peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à BTLV, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous projetez de vous abonner à BTLV, mais si vous voulez avoir le loisir de partir avec quelques émissions de Egon Kragel, on a mis depuis peu des coffrets en place pour ceux qui ne veulent pas s'abonner mais qui veulent quand même avoir tout le loisir de jouir de BTLV. La preuve. Non, c'est pas encore. La preuve. Le coffret Men in Black, on peut l'avoir ou on peut pas l'avoir, les garçons, vous me le dites. Dans tous les cas, Egon Kragel, ce sera dans quelques instants. On va se tourner vers les réseaux sociaux, peut-être Thibaut. Ouais, avec quand même pas mal de sceptiques hein, sur cette histoire. Eh ouais. Il y a Philippe Huleux qui nous dit que c'est burlesque comme beaucoup de cas en ufologie. C'est d'ailleurs une des particularités qui font que ce sujet est souvent moqué. Ouais, c'est ça. Et il y a Jocelyn qui nous a rejoint aussi. Jocelyn F. Keller. Jocelyn F. Keller, exactement. Qui nous dit hello à tous. Les Men in Black font partie du folklore UFO, surtout aux États-Unis. En France, très peu de cas répertoriés. Aucun élément tangible, hélas. Et là, c'est pour ça que celui de Gérard Deforge était important. On a cherché et on n'a pas eu beaucoup de cas en France. Mais c'est vrai que Joël Ménard a écrit son bouquin. Alors, je le disais, Egon Kragel, en coffret, si vous le souhaitez. Regardez, ça donne ça. BTLV présente les plus grandes observations d'OVNI racontées par Egon Kragel. Archives, documents inédits, des émissions exceptionnelles, enfin disponibles à la vente en podcast et vidéo sur btlv.fr, onglet boutique. Voilà, donc si vous voulez vous procurer les coffrets des Grandes Kragels, il y en a plein, il y a aussi Pascal Lafargue, il y a Blood Dio qu'on vous jouera tout à l'heure. Voilà, beaucoup de coffrets qui sont à votre disposition sur btlv.fr.
Alors, pour ce qui est de la suite, on va revenir au Men in Black avec... En fait, il faut revenir à la genèse des Men in Black, c'est Albert Bender. On va se retrouver avec cette personne qui a popularisé le sujet des Men in Black. On est en décembre 1950 et Bender va lancer un projet ambitieux qui va être un succès, celui du International Flying Saucer Bureau, une organisation qui va recueillir les témoignages d'OVNI. En septembre 1953, alors qu'il réfléchit à une hypothèse d'explication des soucoupes volantes, il a une illumination, une idée. Pour lui, cette découverte aurait pu bouleverser l'humanité. Son intention serait de publier cette découverte dans son magazine Space Review. Mais plus tard, dans une interview à un journal local, Bender va révéler qu'il a gardé finalement son secret à la suite de la visite de trois hommes. Un soir, alors qu'il est allongé dans sa chambre, c'est ce qu'il raconte, il est là, en train de somnoler, à réfléchir, il remarque trois visages dans la pièce. Ceux-ci deviennent peu à peu plus clairs et les détails de leurs vêtements se précisent. Ils sont vêtus de noir, un peu comme des prêtres. À une seule différence, ils portent des chapeaux d'un genre démodé qui masquent en partie les traits de leur visage. On va les appeler typiquement les Men in Black. Bender va raconter ceci, je cite. Les yeux des trois hommes se mirent soudain à s'illuminer comme des ampoules électriques et les trois visages firent de même. Alors ils convergèrent tous vers moi. La douleur au-dessus de mes yeux devint presque insupportable. Ils semblaient brûler de l'intérieur. Ce fut à ce moment que je sentis qu'ils m'adressaient un message par voie télépathique. Ça, c'est la première fois qu'on va avoir finalement une vulgarisation de ces Men in Black grâce à Albert Bender. On est en 1950 quand même. Déjà, tout de suite, on a... voilà. Donc, les Men in Black, y croyez-vous ? Oui, non. Et pourquoi vous êtes nombreux hein, ce soir sur les réseaux sociaux ? On va y faire un tour. Ouais, bah déjà, salut à Louis qui nous écoute de l'île Maurice. Salut Louis. Ah, bravo. Terry Golo. Super, le petit pseudo. Terry Golo. Ça, c'est des vannes que t'aimes bien. Terry Golo. Donc, voilà. Donc lui, il y croit. Donc voilà, j'ai passé son message juste pour le petit pseudo. Sinon, il y en a plusieurs. Il y a Lo et Romy qui nous disent que certains ont été vus dans la zone 51. Oui. Oh bah oui, bah ça c'est aussi tout ce qui est le folklore concernant la zone 51. On imagine bien que si jamais cette zone est scalée véritablement et ce qu'on lui donne comme propriété, on imagine bien que les Men in Black doivent en sortir de temps à autre. Ouais. Donc voilà. Autre chose. Ouais, il y a deux autres auditeurs qui nous parlent aussi de, tu sais, l'actuel premier ministre russe Dimitri Medvedev, qui était président il y a quelques années, qui apparemment en parle ouvertement dans un documentaire russe qui s'appelle Les Men in Black. Donc voilà. Donc les Men in Black, qui en parle. Y croyez-vous ? Oui, non, et pourquoi ? Et je rappelle que vous êtes nombreux ce soir à nous avoir rejoints sur le chat. On a Romy, on a Gaz, on a Shinzo Julien, on a Le Moulin, on a Flower Philippe, on le disait... Muslim. Pardon ? Le Muslim. Le Muslim, il s'appelle Le Moulin, mais moi je sais pas, le Muslim de mon cœur, Le Moulin de mon cœur. Il y a Spectacle, Spectre Lumière, il y a Eve, il y a Colette Richard, il y en a beaucoup ce soir, ouais. Philippe également, des nouveaux également. Alors j'en profite, puisque ce live, vous le savez, il est en clair, donc il vous permet de faire découvrir BTLV. Alors je ne vois pas beaucoup de partage. Voilà, il n'est pas certain que je continue ce live. Hein, je vous mets toutes les semaines de la pression. Moi, sans partage, sans cœur, sans pouce, machin, tout ça, il n'est pas certain que je continue. Voilà, donc non, parce qu'à un moment donné, ce live, il est en accès gratuit, en clair, mais au moins ayez la sympathie de faire découvrir. Ne le gardez pas pour vous. Je sais que vous aimez ça, mais ne le gardez pas pour vous. Donc, ce live est important. Je pense qu'ils ont peur des hommes en noir, moi. Alors, ils ont peur des hommes en noir, de la visite des hommes en noir. Alors, visiblement, on a du mal à rejoindre Egon Kragel avec Gilbert Attard. Je ne sais pas, il devait être peut-être dans une enquête. Mais on aura Patrice Pouillard, juste dans les 5 minutes qui viennent. Patrice qui va vous parler des bâtisseurs de l'Ancien Monde. Avant cela, je vous signale, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à 20h30, on va avoir une émission incroyable à l'intérieur de la Terre. Ce bouquin-là, regardez. Radu Sinamar, voilà, à l'intérieur de la Terre. Radu Sinamar est un membre, même chef d'un service secret roumain, à capacité psy. En tout cas, c'est ce qu'il est mentionné en quatrième de couverture de ce bouquin, que l'on doit aux éditions Atlante. Et Radu Sinamar, qui serait donc un des membres des services secrets, aurait la possibilité de descendre via une entrée au mont Bucegé, qui se trouve en Roumanie, à l'intérieur de la Terre. Qu'en est-il véritablement ? Vous allez tout savoir et je mets tout au conditionnel, mesdames, messieurs, sur ce genre de sujet. Mais dans tous les cas, vous aurez toutes les informations de Christelle Seval, mes invités, et de Daniel Hoffnung, qui lui est ingénieur, et qui vont évoquer dans le petit extrait un aperçu de ce que vous aurez tout à l'heure. Regardez.
Alors, il y a une organisation, alors on ne va pas dire à la terrienne, il y a une organisation, on va dire, dominée par des sages. Il y a un genre de conseil des sages ou des anciens, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a, et après, il y a des représentants, il y a des personnes qui sont en responsabilité par secteur, etc., etc. Oui, mais il faut dire aussi que chaque ville est indépendante. Oui, c'est... Donc, chaque ville a son propre système de gouvernement. C'est comme les États-Unis, en fait. Et bien qu'elle soit en relation à la fois sur le point de vue des connaissances et des commerciales, quand même, chacun reste assez indépendant, hein, j'ai remarqué. Oui, c'est ça, chacun est indépendant. Mmh. Ouais. Et toi, tout cela en tant qu'ingénieur, ça te paraît crédible? Après, on va dire oui. On va dire oui à partir du moment où... on envisage que ça puisse ne pas être dans une réalité qui est guidée par... par le physique, quoi. Par notre physique, c'est ça. Entièrement, quoi. Voilà, c'est une émission assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle dépasse l'entendement. Hein. C'est-à-dire que c'est un terme qui revient souvent dans la bouche de Pascal Lafargue, qui sera avec nous à la rentrée hein, tous les mois. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué à envisager. On a beau être hyper, hyper ouvert. On sait très bien, moi, qu'il fallait la plonger, que la pression, quand tu descends sous l'eau, c'est un peu compliqué. Et quand tu descends à l'intérieur de la Terre, les spéologues en souffrent aussi, etc. Donc, la chaleur. Mais, visiblement, et ce que dit Daniel Huffman, qui est donc ingénieur, il faut envisager, finalement, l'éthérique, quoi. Il faut envisager l'éther. Ouais, l'éther, un changement vibratoire apparemment. Mmh. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile à s'imaginer ça quand on n'est pas dans le truc, quoi, parce que c'est pas très concret. Après, on en vient à tout ce qui se passe au Mont Bucégi. Beaucoup sont venus me dire ici qu'il y avait effectivement à l'intérieur de ce mont des machines qui avaient été retrouvées, une salle de contrôle faite visiblement pour des gens qui font 4 mètres, voilà, donc des géants. Qu'en est-il véritablement? Vous saurez tout, en tout cas, sur le point de vue de Christelle Seval et de Radu Sinamar, le second tunnel du BUCG. Donc c'est ce soir à 20h30, ce sera bien sûr pour les abonnés BTLV. Je le disais, puisqu'on parle d'archéologie, puisque quand on va sur Terre, on est un peu dans la spéologie, dans l'archéologie. On va avoir Patrice Pouillard dans une poignée de secondes, si on me dit en régie qu'on l'a. Eh bien, il est avec nous. On l'aura juste après avoir évoqué, peut-être avoir fait une petite pause. Est-ce qu'il est possible de faire la petite pause? Regardez. BTLV présente les lunettes Psio. Merveille technologique. Les lunettes Psio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psio, profitez du code promo Bob et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. Voilà bien des lunettes que je prends plaisir à utiliser et on se doit avec BTLV de vous proposer des produits qui sont à des prix introuvables ailleurs. Hein. C'est pour ça que vous êtes nombreux à vous les procurer via btlv.fr. Alors je le disais, Patrice Pouillard va être avec nous dans quelques secondes parce qu'il y a une belle projection dans une ambiance pas possible le 13 juillet à côté du Mont-Saint-Michel et Patrice est avec nous. Salut Patrice. Salut. Je sais pas dans quoi je tombe, j'ai pas entendu. Si, j'ai entendu les lunettes juste avant et tout. Donc, je sais pas quel est le ton de l'émission. C'est le ton de l'émission. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, Patrice, tu m'avais écouté. Je t'ai dit qu'on parlait des Men in Black. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce soir, c'est les Men in Black qui sont au cœur de l'actualité, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'était juste pour évoquer ce qui nous attend le 13 juillet du côté du Mont-Saint-Michel. Que va-t-il se passer? Eh ben, on fait une projection en plein air. On fait une projection du film. On est à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. Et ça s'est organisé très rapidement la semaine dernière. Ça devait être à Carnac, normalement. Et après 4 tentatives, on a été obligé de lâcher l'affaire. Et je me suis dit, bon, bah, il faut s'arrêter. Et puis quelqu'un a appelé en disant, bah, moi, j'ai un terrain au Mont-Saint-Michel. Et puis tout s'est mis en place. Et donc, ça va être le public qui vient à 20h. Il y a 2h30 pour attendre la nuit. On va passer de la musique. On fait un pique-nique. Enfin, les gens partagent la nourriture. Ceux qui ont des talents culinaires, ils peuvent faire goûter aux autres et tout. On va discuter un petit peu. Mm-hmm. On attend la tombée de la nuit. Et puis là, on a un écran géant. On a un écran de 13 mètres qu'on place là avec le Mont-Saint-Michel derrière. Donc, la mer au loin, les étoiles au-dessus. Et on va regarder le film. Et puis après on va discuter jusqu'à très tard à mon avis je pense dans la nuit avec tout le monde parce que c'est ce qui s'est passé dans les projets qu'on a fait en mai et en juin et à chaque fois c'était 2h, 3h de discussion là je pense que ça va être carrément beaucoup plus et donc voilà c'est au dernier moment
ça sort un peu de la zone de confort. On se dit, hop, là, on y va. Nous, on fait 300 km pour aller là-bas. Mm-hmm. Mais il y en a qui font 900 km. Il y en a qui partent du sud-est, du sud-ouest. Donc voilà, ça va être, je pense que ça va être un super truc. Et merci de vous parler. Ça s'est totalement improvisé. Et si les gens entendent et ont envie de partager ce film, parce que je sais qu'il y en a qui le demandent et qui ont envie de le voir, bah voilà, ouais. C'est l'occasion. On n'était pas allé en Bretagne, donc c'est l'occasion d'aller là-bas. Alors dis-moi, projection le 13 juillet à côté du Mont-Saint-Michel, vous avez toutes les infos. On va mettre le lien sur giantfilm.com, mais juste... Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens, Patrice, je vais te reposer la question, j'ai encore plein de mails, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir en VOD, etc. Est-ce que vous avancez sur le sujet ? Ouais, ça va être, il va y avoir une tournée, une grosse tournée. Alors là, on va essayer de faire quelques dates, on va voir, il faut qu'on aille là aux endroits où, où les gens partent en vacances, parce que tu vois, Paris par exemple, c'est même pas la peine, tu en as déjà fait deux. Donc on va voir les endroits qui peuvent nous accueillir. Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui était dans un autre coin de la Bretagne, on a parlé du Sud-Est. Mais après, en septembre, en fait, on va faire une grande tournée, c'est une chose qu'on a décidé, avec la même installation de cinéma plein air, et on va aller se balader un peu partout. En fait, on va essayer de faire 30-40 dates, peut-être, ouais. Jusqu'à la sortie du film en streaming, qui va arriver à la mi-octobre, et là, il y aura le streaming, il y aura le Blu-ray, donc il y aura évidemment l'avant-première en streaming pour les contributeurs du film, il y aura toute la sortie, et on continuera peut-être après, derrière, à faire ça. Il y a des cinémas qui veulent le film, ça les dérange pas de passer le film au cinéma en parallèle du streaming, parce que c'est souvent des publics différents. Mmh. Moi, je vais peut-être avoir une résidence à Paris. Je trouvais une salle qui est une petite salle qui fait 82 places, donc ça change du Max Linder qui fait 600, mais qui c'est une salle un peu historique, donc on va aller discuter pour voir, ouais. Mais qui projette un film, le même film depuis 40 ans, et donc on se fera un rendez-vous régulier pour aller discuter là-bas avec le public, ouais. Et voilà comment ça va se faire. Ça va être une sortie un petit peu, pas une sortie classique, ça va s'étaler dans le temps, mmh. et je pense qu'on va essayer de, pendant les 6 prochains mois, on trouvera dans des salles, et ça sera en fonction de la demande des cinémas, parce que je le répète, quoi, moi j'insiste comme ça, mais vraiment voir les pyramides sur grand écran, c'est pas pareil que sur un smartphone, sur ton ordi, quoi. Alors Patrice, donc... est-ce que je peux te poser une question? Maintenant, t'as fait pas mal de dates, vous avez fait des régions, est-ce qu'en fonction des régions, les réactions sont différentes? Non, c'est plutôt en fonction des moments, tu vois. Ah. C'est qu'il y a des jours où t'as des gens, ça n'arrivait de trouver des salles où ça démarrait un peu en retard, notamment à Narbonne, où tout le monde était rentré dans la salle, et là je reçois un SMS du projectionniste qui me dit la projection elle commence pas avant une heure. Ah. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, quoi, si j'annonce une heure à tout le monde dans la salle, ça va pas le faire du tout, quoi. Les gens vont être furieux, les gens étaient un peu en retard et tout. Et au final je suis allé les voir et j'aurais dit écoutez, on a un problème technique, je sais pas combien de temps ça va prendre, là j'ai un peu menti, j'ai dit discutons. Et en fait, on a discuté pendant une heure, et après les gens étaient presque, quand on a interrompu pour passer le film, tu vois. C'est dans cette ambiance-là, en fait, que ça se déroule, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Alors après, moi, le public que je vois, c'est un peu partout le même. C'est-à-dire que c'est des gens qui... Il y a des gens très variés, quoi. Il y a des gens qui viennent plutôt parce qu'ils sont dans une réflexion bien-être, développement personnel, ce genre de choses. Et puis après, de l'autre côté, il y a des gens qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus, tu vois, des ingénieurs, des gens qui bossent dans le bâtiment, qui sont plus sensibles aux arguments pierres du film et de la problématique. Donc c'est assez étonnant, j'ai de plus en plus de femmes, ça c'est bien. Donc il y a des gens qui viennent en couple, voilà, c'est pas un sujet exclusivement masculin. J'ai un peu de mal à identifier le public, parce qu'il y a des ados aussi qui viennent, il y a des personnes âgées. Donc tu sais, la vidéo que j'avais fait là avec ton aide là pour le Max Linder, le making of après le Max Linder, tu vois, le public il est comme ça. D'accord. C'est des gens, des jeunes, le sujet il a ça de beau, qu'il est large et qu'il parle à tout le monde selon certains aspects. C'est comme un bon livre, je crois. C'est un bon sujet, donc voilà. Bon, dans tous les cas, c'est le 13 juillet. On a mis dans les chats, que ce soit sur Facebook ou YouTube, le lien pour réserver. Merci, mon Patrice, d'avoir été avec nous. Je te souhaite un bel été. On va bien sûr passer la bande-annonce de ce film. Et n'hésitez pas, si vous êtes du côté du Mont-Saint-Michel le 13 juillet, réservez dès maintenant, parce que
Bien sûr, tout le monde va se jeter dessus. Vous vivrez un moment unique, ambiance bon enfant. Si vous savez cuisiner, n'hésitez pas à emmener la quiche. Elle sera partagée et vous dînerez dans une ambiance bon enfant. Bon. Ouais, et toi aussi, n'hésite pas à venir, là, parce qu'on en a parlé en off tout à l'heure. Ouais. Tu m'as dit, je sais pas, mais viens faire des images et ensuite tu pourras leur montrer. Voilà. On a dit que si le 13 juillet, Waze n'annonçait pas 8 heures pour venir. Donc voilà. C'est ça. Exactement. C'est ça. Bon. Voilà, donc après, c'est promis. C'est bien. De toute façon, ça va être un joli truc, mais il y en aura d'autres après, et puis ça va être un joli événement. Bah, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Patrice, on regarde la bande-annonce. Follow the progress of that civilization over 3,000 years, and it ends up they're still using the same tools that they started with. That doesn't make sense. A priori, on pourrait dire que ça a été fait à la main, mais la précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes. Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire. Agriculture appears suddenly. Where did they learn the skills? L'humanité à cette époque-là ne savait même pas faire un vase en poterie. Leur système de pensée est hautement plus élaboré que le nôtre. J'ai jamais vu quelque chose de pareil dans le monde. Their civilization was not a development. It was a legacy. Magnifique. J'adore ce teaser. Donc, le 13 juillet, à côté du Mont-Saint-Michel, réservé, vous avez les liens qui sont à votre disposition. Le film de Patrice Pouillard sur ces bâtisseurs de l'ancien monde, sur les anciennes civilisations. Et vous avez vu ce qui est dit, c'est certainement un héritage. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. On revient à notre sujet de ce soir, Men in Black, y croyez-vous? Oui, non, et pourquoi? On aura avant 20h30 Philippe Pascot qui lui va nous parler des Men in Black, mais des pressions que subissent les lanceurs d'alerte. Avant cela, on se tourne vers Thibault sur les réseaux sociaux, ça s'affole dans tous les sens. Alors c'est assez partagé, hein. Je lis pendant que je parle de temps à autre quelques réflexions, quelques théories, il y a les pour, les contre, hein. Ouais, ça clive énormément. Ouais. On avait reçu beaucoup de messages pour avant l'émission, ouais. Et là c'est vrai que pendant l'émission c'est du 50-50, alors salut à Sarah, salut à Spectre, et à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir, il y a du monde. Et une super question de Manon Cabaret qui nous dit, y aurait-il aussi également des femmes en noir? Ah bah oui, moi j'en ai vu quelques-unes. Et apparemment, oui. Très sympa, des femmes en noir, mais c'était pas dans le même contexte. Hein, donc très très, convêtu, c'est sympa, donc voilà. Et pour te répondre, Manon... Elle m'effraie beaucoup moins que les hommes en noir effraient les femmes. Ah oui, ça, c'est sûr. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir une de femme en noir. Alors, il faut savoir que Thibaut est célibataire, donc si vous êtes une femme en noir, n'hésitez pas, il est preneur. Alors dis-moi, même une femme en blanc. Hein. Oui, tu prends toutes les femmes qui veulent, en fait, c'est ça. Alors dis-moi. Ouais, et pour répondre à Manon, je vais prendre un autre message, celui d'Amine qui dit, apparemment, il existerait des women in black qui seraient beaucoup plus psychique, télékinésique que les Men in Black. Elle serait en mission seulement pour les cas très particuliers et elle serait beaucoup plus difficile à détecter par les personnes à capacité développée, genre les remote viewers. Ouais. Voilà, donc ça mérite qu'on s'y intéresse. Voilà ce qu'il nous dit Amine. Ouais, il a raison. Tu t'arrêtes comme ça. Ouais. Il a raison. Alors, je vais, évoquer un cas aussi, parce que on a travaillé aujourd'hui, et il n'y a pas qu'aujourd'hui, on travaille aussi hier, et puis demain, on va travailler, hein. Mais aujourd'hui, on a bossé effectivement sur ces cas de Men in Black, qui sont assez rares. On a eu celui raconté par Gérard Deforge tout à l'heure qui se passe en France, mais c'est vrai que c'est très, très rare en France. On va se retrouver en 1994. C'est un cas de cette année. On est au centre de l'Angleterre, près de Cannock Chase. Une femme prénommée Hélène rencontre un homme qui vient frapper à sa porte. Il était en noir, cravate noire, d'apparence anorexique. On l'a vu tout à l'heure, ils sont assez maigres, assez cadavériques. Exactement. Avec les lèvres très très rouges. Alors lui, il ne fait pas 2 mètres, il fait 1,50 m. Voilà. Il n'a peut-être pas fini sa croissance. Voilà. Désolé, tu m'entends une perche. Dans les yeux, il a que du noir. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme en noir, mais des yeux, vous savez, un peu cruels, un peu profonds, une peau très très blanche. Et il demande alors à la femme de cesser ses études. En fait, pourquoi? Parce qu'elle avait observé un ovni quelque temps avant et avait eu une rencontre rapprochée.
une rencontre du troisième type. Eh bien, le Man in Black ordonna à la femme de dormir et elle est partie sombrer dans le sommeil. Après 3 heures de dodo, elle fut réveillée par une odeur horrible de caoutchouc brûlé dans la maison. Et c'est marrant parce que ça me rappelle ce que Gérard de Forges tout à l'heure a dit, qu'il y avait une latte du lit qui avait été complètement cramée. Donc là encore, il y a un rapport sur le côté un peu chaud et de brûlé. Donc c'est assez incroyable. C'est un cas de 1994. Je vous en raconterai encore un autre tout à l'heure, celui de Alan Greenfield, qui va nous ramener en 1969. Ils sont assez rares, ces cas, mais on est de temps en temps excité par l'idée de ces hommes en noir. Moi, ce que je trouve assez... un peu compliqué, c'est le côté voix de robot. Voilà, j'ai la sensation quand même. Alors, qui sont-ils? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Est-ce que ce sont des robots? Gérard disait quand même que tout à l'heure en Touraine, c'est encore une conduite américaine, conduite à gauche, une grosse berline américaine. Ouais. On est sur des. En fait, on est sur les Men in Black comme au cinéma, quoi. On a la sensation que c'est Tommy Lee Jones et Will Smith qui vont sortir de là, quoi. Mais c'est ça, tu sais. En plus, avec les grosses lunettes noires et tout. Et en fait, ça me fait penser aux commentaires de Eve, là, qui nous a envoyé un message. Elle nous dit costume noir, chapeau noir, lunettes noires, il y a peut-être mieux pour passer inaperçu. Oui, c'est ça. Et malgré tout, on a plein de vidéos sur la toile où on les voit, etc. Ça fait très Blues Brothers. Si les gens ont vu les Blues Brothers, c'était des hommes en noir aussi. Et effectivement, il y a beaucoup plus simple pour passer inaperçu. Mais bon, on sait jamais. On continue sur les réseaux sociaux avec Alina qui est arrivée de Brocéliande. Alors là, très, très joli souvenir à Brocéliande. On avait fait un week-end extraordinaire. Il y a également Audrey Bulsara. Audrey qu'on avait reçu ici sur BTLV. On a Anne-Cat, on a Nathalie également, on a Sarah Laurent, on a beaucoup, beaucoup de monde ce soir. S'il vous plaît, partagez ce live afin que les gens... C'est en accès libre et en clair, ce live. Donc, il vous permet de faire connaître BTLV, un média unique en son genre, qui est devenu, en 5 années, puisque nous allons fêter le 5e anniversaire de cette maison, eh bien, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué, n'en déplaise à ceux qui ne nous aiment pas. Quoi qu'il en soit, à propos des 5 ans, sachez que la rentrée sera magnifique sur BTLV. On aura un anniversaire exceptionnel, le 5 septembre, avec... beaucoup d'invités ici. Les micros seront ouverts. Vous pourrez même intervenir si vous le souhaitez, etc. Ce sera l'occasion, eh bien, de vivre BTLV comme il se doit, de l'intérieur. Voilà, tous les gens, ils viendront ici pour évoquer leurs souvenirs, meilleurs ou pas, de BTLV. Nous dire ce qu'ils pensent de BTLV. Vous pourrez également, vous aussi, nous souhaiter un bon anniversaire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ce sera le 5, le 12 septembre, résultat des extraordinaires, quand même. Et on est en plein test, on a fait Lucie, Delphine, Aram sur la bourse, le remote viewing, Anne Tufigo, mais aussi Sébastien Balson. Et je peux vous dire que j'ai enregistré une émission avec Yves Lignon aujourd'hui, qui chapeaute un peu ses protocoles. Il est très content des résultats. Ils seront réservés aux abonnés le 12 septembre prochain. Bien sûr, c'est un peu triste pour ceux qui ne sont pas abonnés à BTLV, mais que voulez-vous? Ce média n'existe que par les abonnés et que grâce aux abonnés, je vous en remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez le faire avec engagement ou sans engagement. Donc, et le 19, à Ravilliers, on a eu Gérard Deforge tout à l'heure, enquêteur d'un cas incroyable, 10 janvier 1998. Une rencontre du troisième type, assez étonnante aussi. Missing Time, abduction, le documentaire mis en ligne le 19 septembre. Et le 26 septembre, on aura la nuit du paranormal. Ce sera à Fougeray. Et puis le 4 octobre, Patrice Pouillard viendra ici pour évoquer BAM, mais plus en détail la prochaine fois, c'est promis. Voilà la rentrée. Alors, je le disais, dans un instant, on va avoir Philippe Pasco qui, lui, va nous parler des Men in Black, mais côté affaires, lanceurs d'alerte, il n'y a pas que dans l'ufologie, il y a des pressions politiques de temps en temps. Est-ce que parfois... certains, on les voit d'ailleurs dans les films américains, souvent même dans la politique, ceux qui mettent des pressions sont souvent des hommes en noir. Alors, avant de retrouver Philippe Pasco dans quelques instants, je vous rappellerai que nous avons quand même lundi mis en ligne, d'abord on a diffusé une émission en clair, que je vous invite à regarder encore une fois, avec Valérie Seguin, qui, Valérie, avec Dominique Bachy, a offert à BTLV une exclue, celle de son film. Et si la mort n'existait pas? C'est un documentaire sublime, c'est sur btlv.fr, réservé aux abonnés, bande annonce. Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. Mais où en est la science sur cette question?
Ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuie-t-il ? Sommaire. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expérience de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. On entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes. Les physiciens s'interrogent également. Il existe, par définition, des mondes invisibles. Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort » parce que l'énergie ne peut pas mourir. Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de ces études? La conscience est-elle indépendante de notre cerveau? Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort? Et si la mort n'existait pas? Magnifique documentaire. Et si la mort n'existait pas? Vous avez vu Mario Beauregard était à l'affiche, Raymond Moody, Philippe Guimond, bon nombre des invités de BTLV ont donné leur accord pour figurer dans ce film. Et pour répondre à cette question, et si la mort n'existait pas? C'est une exclue BTLV. Allez-y, c'est sur btlv.fr. Et bien évidemment, c'est réservé aux abonnés. Ce sera ainsi pendant pas mal de temps. C'est un vraiment joli documentaire. Allez le voir. C'est juste sublime. On a déjà des retours. Il s'est placé en tête des replay sur BTLV en 3 jours là, il a explosé les scores, vous avez été des milliers à le regarder et c'est tant mieux. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Man in Black, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? C'est une vraie belle question. On a mis du temps à... On s'est posé la question pendant longtemps, est-ce qu'on aborde ce sujet? Est-ce qu'on n'aborde pas ce sujet? Est-ce qu'il n'y a pas un côté complot, etc.? Comment on tourne la question? Comment on tourne la question, effectivement? Et finalement, on s'est dit, mais les Men in Black, ça englobe tout. Ça englobe l'ufologie, ça englobe les militaires, ça englobe les politiques, ça englobe l'État, les pétroliers, les industriels, ça englobe tout. Et il y en a un qui, mesdames, messieurs, a bousculé les politiques. Il est un ami de la maison, il est venu très souvent ici. C'est Philippe Pascaud et Philippe est avec nous. Salut Philippe. Allô, Philippe. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien, mon Philippe. Dis-moi, on est ravis de t'accueillir. On rappelle que tu as bousculé, je le disais, bon nombre de politiques par tes écrits. Tu es venu les présenter très souvent ici et ça continue. Oui, je vais continuer, oui. Alors dis-moi, je voulais t'avoir parce que effectivement, quand on parle Men in Black, c'est un nom générique, hein, le Men in Black. Hein, ça parle à tout le monde, etc. Ça a souvent une connotation ufologique, ovni, etc. Mais dans l'industrie, dans l'armée, chez les lanceurs d'alerte, il y a des pressions. Est-ce que toi, avec les bouquins que tu as pu écrire, tu as senti ces pressions qui étaient discrètes, je dirais? Ah oui, tout à fait. J'ai eu des pressions discrètes et même pas discrètes. J'en ai eu même et encore une la semaine dernière, ah bon, puisque je me suis fait siphonner mon ordinateur. Ah ouais. Donc on voit que quoi qu'il en soit, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qui essaient de te mettre des pressions pour que tu arrêtes tes travaux. Ah bah, j'avais écrit 150 pages sur mon prochain livre, et puis un matin, bah, il n'y avait plus rien. Alors, t'expliques ça, c'est comment? C'est ah quoi bah, j'explique ça par une organisation, entre guillemets, des gens que je devais gêner, qui m'avait mis ce qu'on appelle un logiciel malveillant dans mon ordinateur, et qui ont siphonné tout ce qui les gênait. D'accord. Donc là, il y a bien une organisation d'argent qui essaye d'influer pour continuer à en gagner plus. Et là, il est vrai que dans mon dernier bouquin, dans mon prochain bouquin, j'avais touché à Coca-Cola, j'avais touché à des organismes quand même relativement importants qui font des choses pas très très belles sur la Terre. Donc, et là, tu sens vraiment qu'il vaut mieux la fermer, quoi. C'est-à-dire que les mecs font tout pour te mettre une pression pas possible, parce que là, il y a un vol quand même d'écrits, il y a un vol de manuscrits, mais est-ce que tu crois que ça pourrait aller plus loin si jamais tu t'entêtais? Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la machine s'emballe tellement vite, l'argent est tellement rapide à gagner, qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour le gagner, pour continuer à le gagner, y compris à éliminer physiquement des individus. Mmh.
Donc pour toi, le côté Men in Black, encore une fois, je prends le terme générique, est une réalité dans plein de domaines. C'est une réalité, mais pas dans le complot. C'est une réalité dans l'économique, c'est dans, une réalité dans les corporations. C'est une réalité dans les gens qui ont tellement de pouvoir d'argent qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ce sont des gens qui sont payés par des entreprises, par l'État, oui, par des administrations, qui font en sorte que le commun des mortels, qui finalement veut parler, veut alerter. On a vu Stéphanie Gibaud ici avec toi, sur UPS. On voit que toutes ces entreprises-là, on voit que dès que ça les bouscule, elles sont prêtes à tout pour mettre un terme à tout cela. Ah ben c'est sûr, non seulement ils sont prêts à tout, mais maintenant ils achètent les politiques et ils font voter des lois pour se protéger. Mmh. La loi sur les fake news, c'est une honte. La loi sur le secret des affaires, c'est une honte. Mmh. Je veux dire, tout est fait pour que ces gens puissent continuer à faire du bénéfice dans l'ombre, dans l'opacité, et surtout sans que le peuple, sans que les gens soient au courant de ce qu'ils font. Mmh. On nous vend aujourd'hui de la merde à manger, mais il faut absolument pas qu'on sache lire les étiquettes. Mmh. Est-ce que t'es allé jusqu'à la pression physique? On a vu que là, il y a un vol de données. Est-ce que t'as eu... Oui, j'ai eu ça sur un autre dossier où j'ai eu menace de mort. Contrôle fiscal, bon, ça les amuse. D'accord. Et tu prends ça avec beaucoup de recul? Bah, j'ai pas le choix. Parce que comment se protéger de ces pressions? Bah, je roule plus en scooter et je cours vite. Donc, et finalement, tu refais du sport, Philippe, c'est bien. Ben, j'aimerais bien, mais non, malheureusement. En ce moment, je suis plutôt 4 heures du matin pour récupérer toutes les données qu'on m'a piquées. D'accord. Et tu vas y arriver? Je y arrive toujours et je les emmerde. D'accord. Donc, on voit qu'il ne faut pas se dégonfler. Est-ce que la médiatisation, finalement, est une bonne chose peut-être pour contrer les Men in Black? Oui, plus j'ai des gens comme BTLV, et je remercie encore BTLV d'avoir été les premiers à me soutenir. Plus j'ai des gens comme BTLV, plus j'ai des émissions où je passe, plus ces gens-là sont gênés pour te couper la tête. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si tu es seul dans ton coin à faire ton truc, tu peux avoir des... Mais ouais, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Donc, moi, j'avais la sensation quand même qu'on était très dans les films, tu vois, quand on voit au cinéma, on voit tout cela. Et toi, tu es en train de me dire que tu es dans la réalité, quoi. Ben moi, je le croyais. Et puis, je suis dans le film maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais bon, c'est pas grave, il faut pas se laisser faire, c'est tout. Je veux dire, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que nous, on est le nombre. Mmh. Eux, ils sont pas le nombre. Donc, d'une manière ou d'une autre, on arrivera à les coincer. Ce qu'il faut juste, c'est que les gens se réveillent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lois qui sont faites dans n'importe quel sens et n'importe comment, mais les gens ne se soulèvent pas. Les gens ont une espèce d'apathie qui rentre en ligne de compte et les gens maintenant baissent la tête. Mmh. Là, ça devient grave. Les gens font confiance aux politiques? Non, les gens se protègent eux-mêmes. Je veux dire, on est rentré dans un système d'individualisme où les gens commencent à se protéger, et je le comprends, puisqu'on est attaqué de tous les côtés. Mmh. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à force de se protéger tout seul, à un moment donné, on se retrouve tout seul. Mmh. Alors, Philippe, il s'appelle comment ton prochain livre, tu sais ou pas? Pilleur de vie. Pilleur de vie. On a eu pilleur d'État, délit d'élu, et maintenant c'est pilleur de vie. Je prouve par A plus B que certains organismes en corrélation avec des politiques pillent carrément nos vies. Je prouve que Coca-Cola, sur certains pays, assèche l'eau potable du pays tout entier pour pouvoir vendre du coca. Ah ouais? Donc on... Ah ouais, c'est pour ça qu'ils aiment pas. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils te mettent la pression aussi. C'est pour ça qu'ils te mettent la pression aussi. Je prouve que le gouvernement français, pendant 6 mois, nous avons dû plus de 200 produits alimentaires frelatés avec de l'huile de vidange moteur dedans. Attends, t'es en train de me dire que le gouvernement français était au courant de ça? Oui. Et qu'ils ont laissé faire. Pire, ils ont voté une loi pour laisser faire. T'as les preuves de tout cela? Dans ton bouquin, tu vas les donner. Tu me connais, Bob. Je ne dis jamais rien quand je ne peux pas le prouver. Incroyable. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai dans mon prochain bouquin. J'ai découvert que l'État français, entre guillemets, a laissé plus de 10 000 médicaments anticancéreux frelatés sur le marché. C'est bon. Il y a des gens qui ont pris des médicaments en croyant guérir de leur cancer. Et en fin de compte, le médicament qu'ils prenaient, c'était de la daube.
T'as pas peur pour ta vie quand même, Philippe, parce que Allô, tonton. Non mais moi je suis atterré parce que tu me dis, parce que on a toujours la sensation que ça arrive comme ça une fois tous les 30 ans, mais là tu me dis que c'est assez régulier, c'est ça qui est fou. Ah oui. Et puis j'ai accumulé des choses en plus, pas seulement sur la France, sur le monde entier. S'il y a les preuves, c'est horrible. Ben oui, non, mais de toute façon, Philippe, il n'a jamais eu. Il n'y a pas eu un procès. Hein, donc voilà, il y a eu des pressions. Un procès, je crois que tu m'avais dit, hein, c'est ça ? Un seul, oui. Ouais, j'ai payé très cher d'ailleurs. Voilà, un procès sur toutes les choses qu'il a dénoncées. Donc ouais. Je connais son travail, je sais que c'est très rigoureux. Dis-moi, quand tu sais ça, parce que autant les politiques, on peut leur taper dessus, on peut aller les faire chier, autant là, les groupes industriels, quand même, c'est touchy pour toi, Philippe, quand même. Ouais, je sais. Ben écoute, si il m'arrive quelque chose, vous le direz. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de messages de soutien pour Philippe sur Facebook et YouTube. Là, en ce moment, ça défile, notamment Laurent qui nous dit « Philippe dénonce beaucoup de choses, c'est pour cela que j'aime bien, et il y en a à l'appel. » Et pourtant, Philippe n'est pas reçu dans tous les grands médias. Et de temps en temps, on le voit ici ou là, mais voilà. Ça bloque. Il y a encore des coups de téléphone qui sont passés pour pas que je passe. Et en plus, il y a un gros problème, c'est que je suis incontrôlable. Donc, il y a des grands médias qui ne veulent pas m'inviter. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'information, mesdames, messieurs. C'est ce qui s'appelle dire des vérités. Voilà, c'est ça. Bon, dans tous les cas, Philippe, merci, parce que je voulais vraiment avoir ton point de vue sur ce côté industriel de ces pressions qu'on appelle, nous, vulgairement, les Men in Black, mais je vois que c'est encore pire. Sache que tu as toujours notre soutien, bien évidemment, que dès que ton bouquin sera fini, bah, tu viendras le présenter, j'espère, en exclu sur BTLV en premier. Promis, je passerai d'abord à BTLV. S'ils ne m'ont pas tué, il sort en octobre. Bon, ben tant mieux. Eh ben, on croise les doigts. Continue bien, passe un bel été, écris-nous tout cela. Et puis, on se revoit en octobre sur BTLV. Je t'embrasse, mon Philippe. À bientôt. Et vive Bob et vive BTLV. Salut, mon grand. Ciao. Salut. Alors, ça, c'est, vous voyez, c'est absolument incroyable, parce que ils ne sont pas nombreux, quand même. Hein. Il faut avoir des coronesses énormes, hein, pour aller sur le terrain de... Il faut être solide. Hein. Ouais. Il faut avoir les coronesses bien accrochées, parce que là, on attaque l'industriel et ça fait peur. On va revenir dans un instant à notre dossier Men in Black. Y croyez-vous ? Oui, non et pourquoi ? Mais je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez pouvoir partir avec des coffrets BTLV en vacances. On a préparé quelques coffrets. Ils sont sur btlv.fr, onglet boutique. Vous avez Pascal Lafargue sur la vie, l'après-vie, la réincarnation. Vous avez Bleuette Dio, vous avez Egon Kragel, vous avez Jocelyn F. Keller. Et puis, puisque je parle de Bleuette Dio, regardez, archéologie et ancienne civilisation, c'est ça. BTLV présente archéologie mystérieuse et ancienne civilisation avec Bleuette Dio. Et si nous n'étions pas les premiers ? Disponible à la vente en podcast et vidéo sur btlv.fr, onglet boutique. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à BTLV, vous avez accès à ces coffrets. Voilà, on a compilé quelques-unes des plus belles émissions de Bleuette Dio. Ils sont à votre disposition, ces coffrets, sur btlv.fr. Les Men in Black, ça alimente beaucoup de discussions sur la toile, mon Thibault. Ouais, des oui, des non, c'est partagé. Il y a David qui nous dit « Les hommes en noir fantasment, à mon avis, ou alors je ne comprends pas comment, en 2018, alors qu'on en parle depuis 30 ans, cela peut encore rester secret. Mm-hmm. » C'est vrai qu'on a l'air de la transparence, on a l'impression qu'on a toutes les infos, mais attention quand même. Alors, ce qui n'est pas secret, c'est que David vient de me dire, visiblement, que l'Angleterre gagne, mène 1-0 face à la Croatie. Voilà, donc tu voulais, toi qui es fan de foot, voulais avoir le résultat, mais c'est pas fini, vous inquiétez pas. Mais vous aurez tout le loisir d'aller voir après le live. Hein. On continue sur les réseaux sociaux. Le monde qu'il y a. Il y a du monde, il y a Alina qui nous dit, je pense qu'ils existent obligatoirement, que l'État nous cache beaucoup de choses, dont les Men in Black. Ouais, alors l'État, concernant Philippe Pasco, c'est pas l'État, c'est les industriels. Vous savez, moi, quand j'ai commencé BTLV, ils m'ont dit, les politiques, tu crains rien, l'armée, tu crains rien, fais attention à l'industrie. Donc voilà, effectivement. Mais il y a des liens entre les politiques, les industriels, enfin maintenant, de plus en plus. Et de plus en plus. Et en même temps, la seule fois où on a voulu attenter à ma vie, c'était il y a 6 ans, quand j'avais lancé l'émission. C'était un de mes stagiaires qui a eu la gentille surprise de voir une femme avec un couteau comme ça, voilà, qui voulait rentrer dans le studio en disant « je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer ». On avait abordé les secrets du Vatican la veille et je pense qu'elle n'avait pas beaucoup apprécié. Et
pauvre stagiaire, il se retrouve avec une femme qui tapait dans la porte avec un couteau énorme. Et je l'ai su qu'après, à la fin de l'émission, parce qu'on m'a rien dit. Moi, j'ai continué l'émission, j'étais dans le talk show. Et heureusement, ils ont appelé la police, ils sont venus la récupérer, etc. On n'a plus eu de nouvelles de cela, mais voilà. Donc, c'est la seule fois où on a voulu attenter à ma vie. Après, et l'histoire de ces voitures qui est parce qu'ils sont passés deux, trois fois. Mais du coup, ça t'a pas foutu les boules, ce truc? Non, parce que quand on est exposé, souvent, on a affaire à des gens qui, parfois, que l'on dérange. Hein. Quand je vois comment je suis insulté sur les réseaux sociaux, j'imagine que si parfois certains de ceux qui m'insultent me croisent, ils me mettraient un taquet ou un pain. Hein, ouais, parce que ça ouais mais entre hein, un taquet, voilà. Un pain et une femme qui arrive avec un couteau. Y a oh, quand tu même... peux tuer avec un taquet, un pain. Hein. Tu sais, il suffit de le prendre mal. Déjà, quelle que soit la violence, moi, je la condamne, mais effectivement, on ne sait jamais. C'est ça aussi, hein. Mais vous savez, quand on fait un média différent, on clive énormément également, hein. Donc ça peut énerver certaines personnes. Et c'est triste, quoi. C'est triste parce que Philippe le disait, aller sur l'information, c'est aussi donner les bons côtés, mais aussi le mauvais côté des choses. Et quand des gens qui le dirigent ou des industriels font des choses qui sont pas très très belles, c'est bon de le dénoncer. D'ailleurs, il y a Charlotte Savreux ici qui a longtemps travaillé à dénoncer cela. Il y a aussi un coffret hein, qui est à votre disposition sur btlv.fr, celui de Charlotte. Vous pourrez avoir ses principales émissions. Autre chose sur les réseaux sociaux. Ouais, on en parle beaucoup Spectre, mais d'autres d'un autre cas de Men in Black en France, apparemment assez célèbre, ce serait celui de Bernard Bidot. Donc à creuser. Il y a Baby Chiria qui nous dit « Moi j'y crois, je ne peux qu'y croire après avoir lu le témoignage de Ingo Swann dans Pénétration. » Ah ouais. Apparemment c'est un livre aussi. Très joli bouquin. Donc il faut absolument voir si on est fait. Alors les autres derrière là, le Thibaut il est mort de rire. Non, on a dit Pénétration. Donc il a 22 ans le mec. Tu dis Pénétration, il a les armes aux yeux. Hein, les gars, Pénétration si vous préférez. Voilà. Ça te parle mieux en anglais ou pas? On subit ça au quotidien. Ah non, mais vous pouvez pas savoir. Si vous voulez les adopter, les deux là derrière, là, Mathis et Thibaut, c'est gratuit. On vous les donne tout l'été. Vous ne les rendez à la rentrée propre, éduqués, etc. Parce qu'ils nous fatiguent tous les jours. Ils font des blagues à deux balles. C'est juste absolument incroyable. Surtout Thibaut. Surtout Thibaut. Ouais. Alors, tiens, je voulais revenir donc à ce cas de 1969. C'est un chercheur, Alan Greenfield, qui étudie aussi les hommes en noir. Il eut aussi une rencontre. C'était donc cette année-là, en 69, à la National UFO Conference de Charleston. Il vit à cet endroit, dans un restaurant, un homme en noir, avec des lunettes noires, une peau très pâle, une apparence et une voix mécanique. On en revient au témoignage du monsieur, du grand-père en Touraine. Donc, un homme en noir, des lunettes noires, une peau très pâle, cadavérique, les lèvres bien rouges, normal, la peau blanche fait ressortir la couleur des lèvres. Mais moi, j'arrive pas à voir ce que ça peut donner, une voix cadavérique, une voix mécanique. Souvent, ce sont des voix non laryngées, c'est-à-dire assez robotiques. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il dit, une voix mécanique, lui aussi. Greenfield alla le confronter, se mit devant lui. Et lui demanda qui il était. Courageux quand même, Greenfield. L'homme répondit qu'il était un homme en noir en entraînement. Voilà. Ouais. Le mec était en mission, il s'entraînait. Il lui dit comme ça. Ouais. Les rues étaient vides. Greenfield fut stupéfié de voir que l'homme avait littéralement disparu parce qu'il était là et tout d'un coup il tourne la tête et en deux secondes, l'homme a disparu aussi rapidement qu'il était venu. Il cherchait partout mais ne le trouva nulle part. Donc ça, encore une fois, c'est un de ces cas de Men in Black. On est en 1969. Donc, et depuis, ce fantasme ou cette réalité des Men in Black, quand on voit l'industrie avec Philippe, on voit que ce n'est pas un fantasme. Ça l'est peut-être plus sur le côté ufologique, mais quoi qu'il en soit, force est de constater que des gens qui vivent ou qui voient des choses subissent des pressions. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, moi, je mets tout au conditionnel. Attention, parce qu'il y a aussi... tout ce que la psyché peut engendrer, toute la culture aujourd'hui cinématographique, qui peut avoir une vraie influence sur ce que vous voyez. Ouais. C'est vrai que ce qui est intriguant, c'est comme les témoignages d'OVNI, tu vois, c'est que les témoignages se recoupent. Beaucoup qui se ressemblent d'un pays à l'autre, enfin, tu vois, on se retrouve face à la même situation. Et c'est vrai qu'un témoignage en soi, on a du mal à avoir sa valeur. Mmh. C'est vrai que quand tu as plusieurs personnes qui ne se connaissent pas à des périodes différentes, qui vivent la même chose, qui décrivent les mêmes choses avec beaucoup de détails, c'est vrai que c'est là que commence un peu l'intrigue. Quoi. Mais encore une fois, si tout cela n'est pas réel, quoi qu'il en soit, on se demande pourquoi des gens éprouvent le besoin de témoigner. Parce que, exactement. Moi, c'est ce qui me
qui m'interpelle toujours quand on est face à des témoignages sur des cas extraordinaires. Ouais. Que ce soit sur les ovnis, les expériences de mort imminente ou le cas des Men in Black, etc., des extraterrestres, des rencontres au deuxième temps, je me dis, mais... Qu'est-ce qu'ils ont à gagner ? Mais la plupart du temps, ils ont beaucoup à perdre. Bien sûr. Parce qu'on a eu, tiens, là, récemment à Bourg-en-Bresse, une observation d'ovni, et tu as appelé le journal local qui a fait le papier... Et le journaliste a répondu quelque chose d'extraordinaire. Le mec veut plus parler, quoi. Ouais, ouais. Alors, le témoin fait, veut plus parler. Le journal, c'est Le Progrès. Donc, ça a eu lieu à Bourg-en-Bresse, donc mardi dernier. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a eu voilà, un témoignage. Voilà, il a vu un ovni. Et en fait, son nom a été divulgué dans la presse. Et alors, depuis que l'article est sorti, le pauvre, il se retrouve là au milieu de l'enquête. Voilà, il reçoit des messages pas très sympathiques. Et du coup, il n'ose pas parler. Donc voilà, après on a contacté un ufologue aussi qui suit l'enquête de près. Bon, lui ne veut pas témoigner à la radio, mais il nous envoie des messages par mail. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit quoi ? Il y a une crédibilité sur ce témoignage ou pas ? Ah oui, oui. C'est très crédible parce qu'en plus, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Parce qu'en fait, le témoin a vu donc, des objets blanchâtres voilà, en levant la tête. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le truc, quoi. C'est un badaud. Et alors, il était un peu estomaqué. Il est allé chercher quelqu'un dans un bar qui a regardé le match, parce que c'était pendant un des matchs. Il l'a ramené. Le mec aussi estomaqué que lui, donc ils étaient deux. Ils ont tenté de prendre des vidéos, ils n'ont pas réussi à en prendre. Comme par hasard, les téléphones se sont coupés, les images étaient inexploitables. Oui, et puis sinon, t'es tellement stressé que t'arrives plus à retrouver ton code, ton machin, ton truc. Enfin, t'es dans un stress, pas possible. Et tu te dis, je vais pas le louper, puis finalement, tu le loupes, quoi. Exactement. Et ils sont allés, les deux, ils sont allés chercher un autre passant pour vérifier. Il y a eu plusieurs témoins, quoi. Donc oui, c'est très sérieux, très crédible. Les objets ressemblaient à quoi ? Apparemment, c'était des tubes. Plusieurs tubes blanchâtres, c'était silencieux. Ils étaient très près du sol. Et voilà, lumière très vive, et donc voilà quoi, c'est assez intriguant. Mais en tout cas, l'ufologue, lui, il me dit, bon, l'enquête est en cours, donc il dit... Il nous tiendra au courant de ce qui se passe. Exactement, il va nous mettre, il va nous tenir au courant. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments nouveaux, mais l'enquête se poursuit. C'est Didier Charnet, voilà, je me permets de le citer. Et du coup, on est en contact, et voilà, il va nous donner des nouvelles d'ici quelques jours encore. Alors, il y a Philippe, tiens, qui me dit, Fabrice Bonvin a aperçu un Men in Black lors d'une conférence OVNI. Il était dans le public. Alors attention, parce que vous pouvez vous mettre en costume noir. Ça m'est arrivé, moi, d'être en costume noir, chemise blanche avec une cravate noire. J'étais pas Men in Black pour autant. Mais quoi qu'il en soit, Fabrice Bonvin, je lui poserai la question parce qu'il va venir très bientôt pour son bouquin sur le remote viewing. Donc voilà, Fabrice Bonvin sera sur BTLV prochainement, réservé bien sûr aux abonnés. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais rejoignez-nous. Vous avez pour cela des liens dans le chat, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Paf, mi, magnifique. Vous appuyez, vous abonnez. Puis avec le programme de cet été et de la rentrée. Alors, je vous dis même pas ce qui se passe. C'est juste absolument incroyable. Les émissions, on les enchaîne. J'ai fait encore une émission incroyable sur les Illuminati aujourd'hui avec Philippe Liénard. Passionnant. Énormissime. Ouais. Ce sera en diffusion au mois d'août parce que rien ne s'arrête cette année sur BTLV. Autant les autres années, on ralentissait un peu le programme. Là, je peux vous dire que cet été, le programme est énorme. Voilà pourquoi vous pouvez vous abonner et vivre BTLV comme en pleine année. On fait que de bosser ici. On n'arrête pas et on fournit. Alors, je vous dis même pas la rentrée, comment elle sera belle. Abonnez-vous ou alors devenez même ambassadeur. Vous savez que vous pouvez devenir ambassadeur BTLV. Ambassadeur BTLV, c'est l'occasion pour vous eh bien, d'avoir un revenu complémentaire, de proposer à vos amis. BTLV, vous savez que BTLV a augmenté, eh bien vous le proposez à l'ancien tarif BTLV. Donc vous le proposez au tarif d'il y a encore une semaine et vous pouvez ainsi vous récupérer 20% de commission sur tous les abonnements que vous faites. Il vous suffit pour cela de m'envoyer un petit mail à ambassadeur, comme vous le voyez sur l'image, @btlv.fr. On vous envoie un tuto pour mettre en place votre interface. Vous avez des teasers, enfin des bandes annonces pour parler de BTLV, pour expliquer ce qu'est BTLV. Et sur chaque vente que vous allez faire auprès de vos amis, 20%, donc c'est plutôt pas mal. C'est c'est la solution Tupperware de BTLV. Donc vous pouvez à tout moment nous aider le média que vous aimez, et puis surtout faire un petit revenu complémentaire. Parce que BTLV, il se passe des choses absolument incroyables. Ce soir, là, dans quelques minutes, Radu Sinamar avec ce livre, À l'intérieur de la Terre, Christelle Seval et puis l'ingénieur Daniel Hoffnung seront à mes côtés. Et puis en ligne également ce soir, un film qui fait peur, celui de Maxime Tortosa. Ils vont entrer, regardez la bande-annonce. Bonsoir mon cœur. Thomas, il est rentré ? Marc ?
maîtrise la situation. Tu m'écoutes? Je t'ai dit qu'il fallait pas sortir. Ils vont rentrer. Eh ouais, mais la question c'est qui va rentrer? Eh ben, vous découvrirez tout cela dans ce film qu'on met en ligne ce soir, réservé aux abonnés BTLV. Et il va se passer des choses, je vous le disais, la saison prochaine, pour les 5 ans, la croisière du mystère et de l'expliquer, bien sûr. Vous avez tous les détails sur btlv.fr. Et puis, on est en train de travailler sur les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Les prochaines auront lieu en juin 2019. Et il va y avoir certainement, durant ces rencontres, déjà une exposition OVNI pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, parce que ça va être sur 3 jours, que l'on doit à Gilbert Attard du CROPS, qui est doté de documents exceptionnels. Et puis, on aura sûrement une machine pour tester les expériences de mort imminente. Alors attention, on ne va pas vous faire mourir hein, et revenir à la vie, mais en tout cas, en 3D, en effets spéciaux, Maxime Tortosa, à qui l'on doit le film Ils vont entrer, est en train de mettre des lunettes, voilà, à réalité virtuelle pour vivre une expérience de mort imminente. En tout cas, la sensation d'expérience de mort imminente, c'est juste tout bonnement exceptionnel. Donc, si vous voulez vivre cette aventure, je suis sûr que vous serez ravis de venir aux rencontres du mystère et de l'expliquer. Allez, on fait un petit tour vers les réseaux sociaux avant de balancer Radu Sidamar à l'intérieur de la Terre. Ouais, les Men in Black. Je crois qu'il y a Laurent qui se moque de moi. Apparemment, je dis beaucoup de fois le mot intrigant. Ah oui, c'est intrigant, d'accord. C'est pas bien de se moquer. De toute façon, tout le monde se moque. Il y a l'autre derrière, il regarde. Elle a 22 ans, elle est morte de rire, elle rigole, elle en peut plus. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis entouré que de gamins, moi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, allez, on continue. Ouais, sinon, il y a Jérôme qui nous dit. C'est intrigant. Jérôme, lui, il n'est pas intrigué du tout. Il dit non, c'est du bidon. Sinon, il y a Anne Thierry qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et qui nous dit, au vu du nombre de témoignages sérieux de personnes qui ont été en contact avec ces fameux Men in Black, c'est qu'ils doivent exister, sinon aucune crédibilité. Ouais. Sinon, il y a Jérémy qui nous dit, j'y crois, c'est pas impossible, ça me paraîtrait presque normal qu'ils existent. David qui nous dit oui, pourquoi pas. Cependant, les films sur le sujet sont très fortement exagérés. Oui, c'est sûr que c'est toujours romancé. Hein, dans les Bien évidemment, donc voilà. Je voudrais saluer David Gallet qui participe. Oh mon David, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Il faut que tu viennes absolument nous faire l'émission à la rentrée, bien sûr. David est un personnage que j'adore, qui a participé de nombreuses fois aux émissions de BTLV. C'est un réalisateur de grand talent qui travaille pour le service public, notamment, pas que, et qui fait vivre aussi auprès du grand public et bien tous ces sujets. Merci mon David d'être là. Et puis j'espère, je vais t'appeler, on essaie de se caler une émission à la rentrée. Je sais que tu es toujours partant pour cela et j'en suis ravi. D'autant qu'à la rentrée, je le rappelle, 5 septembre, l'anniversaire. J'espère que tu viendras d'ailleurs boire une petite coupe de champagne. On aura le 12 septembre les résultats des extraordinaires, les tests que nous avons faits. 19 septembre, le documentaire qu'on a tourné, qui est quasiment fini, il n'y a plus que le générique à faire. Sur le dossier inexpliqué de Haravillier, observation d'OVNI, rencontre du troisième type, Missing Time. Le 26 septembre, la nuit du paranormal à Fougeray. Le 4 octobre, Patrice Pouillard, vous voyez, qui va s'en passer des choses sur BTLV. Donc, soyez avec nous et ne loupez pas cette nouvelle saison 2018-2019. Allez, merci à toute l'équipe qui m'a... Tu rigoles encore, toi, ou pas? Pas du tout. Je te tape. Hein. Je suis sérieux. Okay, d'accord, sérieux. Merci à Thibaut et merci à Mathis d'avoir réalisé... pas avec beaucoup de talent. T'as remarqué, Thibaut, c'était un peu compliqué ce soir. Hein. C'est-à-dire que les mecs, là, ils étaient... Regarde, Mathis, il rigole, mais tu sais qu'il était blême tout à l'heure. Parce qu'il il a des moufles. Hein. Il appuie pas sur les bons boutons. C'est ça, les stagiaires, hein, tu sais. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Partagez ce live, mesdames, messieurs. Franchement, partagez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire connaître ce média incroyable. D'ailleurs, il y a Léonore qui nous dit « Thibaut, tu diras à Bob que je partage et que je vais avoir 2 nouveaux abonnés. » Eh ben, magnifique. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont ambassadeurs. On vous embrasse. Radu Sidamar, c'est maintenant. Ciao à toutes. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Salut à tous. Depuis toujours, des chercheurs disent que la Terre est creuse, fantasme ou réalité. Nous allons tenter d'en savoir plus aujourd'hui. Alors si habituellement on situe son entrée en Antarctique, cette fois, on la trouverait en Roumanie, au Mont Buceji.
C'est cet ouvrage qui me permet de recevoir deux des acteurs de celui-ci aujourd'hui, à savoir déjà l'éditeur, Christelle Seval. Salut Christelle. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir pour cet ouvrage, donc Radu Sinamar, à l'intérieur de la Terre, le second tunnel du BCJ. On avait fait une émission ici, avec Daniel H. Osseri, qui est avec nous, qui est traducteur. Salut Daniel. Voilà. Je ne suis pas traducteur. Oui, mais tu es ingénieur, mais tu as j'ai lu. J'ai lu, voilà. Dans tous les cas. Fait les préfaces. C'est ça. Des trois livres publiés. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de savoir, c'est ton regard sur cette Terre creuse. Je disais fantasme ou réalité. Parce qu'on a eu beaucoup de choses quand même sur la Terre creuse. Là, on s'appuie sur les propos de Radu Sinamar. On rappelle, en tout cas, ou on signale pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on avait fait la première émission dessus, c'est un agent des services secrets de Roumanie. Voilà. C'est pas son vrai nom. Voilà. Mais on ne sait pas véritablement qui c'est, en fait. Exact. Et pourquoi ? Alors, je peux apporter une précision. Ben oui. C'est que même l'éditeur roumain ne le connaît pas. Oui. Et que Radu Sinamar, donc, qui a écrit plusieurs livres, a fort surpris son éditeur en lui envoyant ce dernier livre il y a un an à peu près, parce que son éditeur n'avait plus de nouvelles de lui pendant 7 ans. D'accord. Donc Radu Sinamar, est-ce qu'on peut appeler un whistleblower ? Enfin, du moins, c'est pas tout à fait ça. Du moins, c'est effectivement quelqu'un qui fait partie des services secrets et qui est un acteur de toutes les histoires qu'il raconte. Et la question qu'on s'est posée dès le départ, c'est pourquoi le fait-il ? Parce que c'est quand même des informations très très sensibles. On ne comprend pas comment quelqu'un à l'intérieur même des services secrets peut publier des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte, parce qu'il l'explique, qu'il a l'assentiment de sa hiérarchie et d'une partie du gouvernement roumain. Mmh. C'est-à-dire qu'il met bien en opposition, finalement, deux courants qu'on retrouve partout, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Roumanie. En ce moment même, en Roumanie, dans le gouvernement, il y a une faction qui est pour la divulgation et une faction qui est contre. Mmh. Et lui est pour la divulgation d'informations. Et il a eu l'autorisation de son gouvernement depuis le départ, donc, de divulguer certaines choses. Alors, divulguer quoi ? Parce que finalement, on va s'apercevoir que ce tunnel mystérieux débouche à proximité de la pyramide de Khéops, visiblement. Donc, c'est pas à côté. Et puis surtout, quand on lit le bouquin, on s'aperçoit que Radu Sinamar explique descendre dans les méandres de la Terre, se dématérialiser, parce que de toute façon, on ne peut pas descendre, ne serait-ce qu'il suffit d'avoir fait un peu de plongée ou d'avoir pris l'avion pour comprendre que la pression, à un moment donné, elle est insoutenable pour le corps physique. Donc fatalement, et ça je demanderai à l'ingénieur. Oui, donc, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais c'est impossible, tu ne peux pas descendre à 2000 mètres sous terre sans exploser, à un moment donné, tu vas être un peu comprimé. Oui. On est d'accord. D'accord. Et c'est très compliqué, parce que c'est pour ça, divulguer quoi ? Qu'on peut se dématérialiser, qu'on a un corps, finalement, qu'on a plusieurs corps, qu'il y a une mutation possible. C'est quoi, en fait, la divulgation ? Et que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils veulent divulguer ? Alors, la divulgation, elle commence au départ, c'est-à-dire par la divulgation de cette découverte avec les Américains, de cette cavité sous les monts BCJ en Roumanie. Qui contient de la technologie très avancée et très âgée aussi. Voilà, très âgée et surtout avec visiblement des tailles qui ne sont pas... Oui. C'est-à-dire que moi, je suis petit, mais même les grands, ils ne pourraient pas taper sur les tailles, c'est ça. Voilà, sur le BCJ, ils ont rencontré des tables qui sont à 2 mètres de haut, donc ils en ont déduit que les gens qui s'asseyaient là étaient des géants de 4 mètres. Mmh. Voilà. Mais ces entités ont disparu. Ils restent de la technologie encore en état de marche. Et ensuite, effectivement, de cette base part ensuite plusieurs tunnels. Donc il y a un livre qui en parle, qui est la découverte de ce tunnel qui mène en Égypte. Et là, c'est un autre tunnel qui, lui, mène au centre de la Terre. Et c'est le récit de cette expédition par l'auteur. Alors, on se souvient des expéditions, puisqu'en fait, il y en a plusieurs. Il y va plusieurs fois. Mmh. Alors, il va plusieurs fois. Quel crédit on peut apporter ? Je vous pose toutes les questions qui peuvent fâcher. À Radu Sinamar, sachant qu'il ne donne pas sa véritable identité, qu'effectivement, pendant 7 ans, il ne donne pas signe de vie. Est-ce que son éditeur lui verse quand même des droits d'auteur ? On ne connaît pas, on ne sait pas qui il est du tout. Il y a une opacité autour de ce personnage quand même. Est-ce que c'est un personnage ? Ou est-ce que, comme Shakespeare, on peut imaginer que ce sont plusieurs personnages ? Que c'est les mêmes, peut-être même les services secrets qui donneraient des informations ?
Alors, il s'explique un petit peu là-dessus, hein, puisqu'il dit à un moment dans sa préface, puisqu'il y a une préface de Radu Cinema, qu'il y a des choses qui ont été racontées sur lui depuis la parution des premiers livres, et que, en fait, d'abord, il tient à dire qu'il n'a aucun rapport avec les personnages, parce qu'on a essayé de faire coller sa personnalité à des gens connus en Roumanie. En fait, il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Et il y a même eu un blog, Il y a eu des pages Facebook que j'ai regardées à une époque, hein, à son nom. Comme si et lui, il dit clairement, je n'ai rien à voir avec ça. C'est des gens qui ont voulu, faire connaître ce qu'il avait dit. Voulu ouvrir ses pages, mais lui, il n'a aucun rapport avec ça. Voilà. Et il n'a jamais rien fait sur Internet ici. Donc ça, c'est clair. Donc est-ce que c'est compliqué d'apporter du crédit aussi à ça? Tu vois ce que je veux dire? Quand on a quelqu'un qui se cache, mais en même temps, c'est parce que ça se cache qu'il y a du crédit aussi, parce qu'on se dit que s'il en retire aucune publicité, c'est ça qui est intéressant. Écoutez, alors d'abord, Daniel et moi avons recueilli un certain nombre d'indices. Bien sûr. Parce que Daniel est allé plusieurs fois en Roumanie, moi j'y suis allé une fois. J'ai rencontré un montagnard sur place qui m'a dit qu'effectivement tout ce qui était écrit c'était vrai. Quand je lui ai dit que je cherchais l'entrée de la base... Il était rentré le montagnard dans cet endroit? Non. Et comment il sait que c'est vrai alors? Ah ben parce que lui habite là depuis toujours. Et il y a eu des voilà. amis autour de l'armée. Et quand je lui ai dit que je cherchais l'entrée de la base, il m'a dit arrêtez, vous allez vous faire tirer dessus. Ah oui. Bon, et Daniel connaît aussi des tas d'autres indices, mais je trouve quand même que le plus fort indice, parce qu'effectivement, si un géologue aujourd'hui dit, moi je veux une preuve, et j'y vais avec mon petit marteau, mon microscope, et je veux une preuve physique, non. Là, on est quand même dans le subtil. Aujourd'hui, pour moi, la meilleure preuve, c'est Monique Mathieu. Et c'est une histoire qu'a vécu Daniel, avec cette clairvoyante française. Donc c'est intéressant ce que tu dis, dans le subtil, ça veut dire qu'en fait, c'est pas sur nos vibrations que cette... C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve physique. Plan. C'est pas dans notre plan. Oui, alors c'est en partie dans notre plan, puisque la cavité souterraine, physique, elle est dans le plan physique, mais elle est déjà à un niveau vibratoire plus important. C'est-à-dire que c'est indiqué dans la préface de Radu Cinema, c'est que les gens qui y allaient en personnel, puisqu'il y a eu du personnel quand ils se sont installés, quand ils ont exploré tout ça, il y a des gens qui y ont travaillé à un moment donné. En fait, ils ont constaté qu'il y a des gens qui avaient des malaises, qui avaient des états bizarres, c'est-à-dire ils ressortaient de là avec le regard fixe, ils n'étaient pas bien. Donc il y avait une influence sur le corps, quoi. Il y avait une influence sur le corps. Et parce que, on s'est rendu compte que c'est parce que ces personnes n'étaient pas préparées. Alors les personnes qui avaient déjà un niveau de conscience, qui était déjà habitué à certaines pratiques de méditation ou autres, passaient le cap beaucoup plus facilement, bien que ça avait une influence sur eux, mais des gens qui n'étaient pas préparés, ça pouvait être difficile, quoi. Et en fait, c'est pour ça que depuis, ils ont établi, alors c'est ce qu'il décrit au début du bouquin, hein, ils ont établi des critères pour... Il y a en gros des tests qui sont faits, et il y a une petite formation, parce que... Pour pouvoir rentrer, on n'y va pas, même dans le hall, même dans la première pièce, on n'y va pas comme ça, quoi. On n'y va pas les mains dans les poches, voilà. C'est pas bénin. C'est pas bénin. Toi, t'es ingénieur. Oui. Voilà. Ça te paraît pas dingue? Alors, moi, au début, je te dirais que ça me paraissait dingue. Ouais. Ça m'a paru dingue. Cette histoire de terre creuse, déjà, j'avais beaucoup de mal. Ouais. Bah ouais, ouais. Effectivement, les histoires de pression dont tu parles. Et puis le fait que, il y a une théorie qui est relativement constituée, qui a des éléments de vérification sur les séismes, la propagation des ondes à travers la Terre.